Bonjour les tricopines, on se retrouve donc pour la troisième partie. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment nous allons assembler la poche avec donc le devant de notre robe. Nous allons les assembler comme ceci, regardez. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Alors pour commencer, vous allez tricoter 27 mailles. Donc moi j'en ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 19 mailles. Comme j'ai dû découdre, hein, 21, 22, 23. 24, 25, 26 et 27. Donc, vérifiez bien que vous avez 27 mailles. Donc, je compte 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Donc, ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, une fois que nous avons rassemblé nos 27 mailles, nous avons tricoté nos 27 mailles, nous sommes sur l'endroit du travail. Et donc, nous avons tricoté, une fois que nous avons relevé des mailles au niveau de la poche, nous avons tricoté pendant 13 cm. Et la longueur de notre poche doit faire 13 cm également, de façon à ce que nous puissions les assembler. Donc, pour ça, c'est très facile. Donc, si vous avez laissé en attente vos mailles sur votre poche, les mailles de votre poche sur une aiguille arrête maille, vous les faites passer sur une aiguille numéro 3. Si vous n'avez pas un numéro 3, vous pouvez les faire passer sur une aiguille numéro 3 et demi aussi, c'est pas grave. Et il faut que la pointe de votre aiguille soit orientée vers la droite. Nous sommes sur l'endroit du travail, nous avons tricoté 27 mailles à l'endroit et maintenant nous allons passer à l'assemblage des mailles. Donc les mailles de notre poche et les mailles de notre robe, les 26 mailles, nous allons les assembler ensemble de façon à ce qu'il ne reste que, voilà, les 26 mailles que nous avons de chaque côté. Nous allons les assembler. Et pour cela, donc l'aiguille où il y a les mailles de votre poche, comme nous sommes sur l'endroit, c'est face à nous. L'aiguille où il y a les mailles de la robe, c'est derrière. Donc vous les superposez comme ceci, regardez. Vous les superposez comme ceci. Vous veillez à ce que les pointes soient bien comme ça alignées. Donc ça, c'est le fil qu'on a coupé de notre poche. Donc avec le fil avec lequel nous tricotons, nous allons prendre, regardez, nous allons prendre la première maille qui est sur l'aiguille face à moi et la première maille qui est sur l'aiguille de derrière, regardez, comme ceci, et nous allons les tricoter ensemble. Et je les fais, regardez, comme si nous tricotions normalement une maille. Je vais vous montrer. Là, j'ai ma maille. Donc la première maille qui est sur mon aiguille face à moi, la première maille qui est sur l'aiguille de derrière, je les prends. Regardez, je passe mon aiguille dans les deux mailles et je les tricote et je ramène comme ceci et je fais tomber mes mailles. Donc la première maille ici, je dis première maille parce que regardez, c'est toujours la première maille, c'est normal. Là, la maille ici, regardez, derrière, je les prends et je tricote ensemble. Donc, comme j'ai dû, voilà. Donc la maille ici, la maille qui est dans l'aiguille face à moi, je la pique. La maille qui est derrière,
qui est sur l'aiguille de derrière. Je la pique aussi avec mon aiguille droite et je tricote. Regardez, je les tricote normalement comme ceci et là, je les tricote. Si je vais, non, vous allez voir, c'est super facile. C'est parce que moi, j'ai dû découdre, donc mes mains, elles ont changé de sens. Voilà. La maille qui est sur l'aiguille face à moi, la maille qui est sur l'aiguille de derrière. Regardez, comme si je pique normalement et je tricote les deux ensemble. La maille qui est face à moi et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc la maille qui est sur l'aiguille de derrière et je tricote. La maille qui est devant, la maille qui est sur l'aiguille de derrière, je la pique et je tricote. Alors attendez, voilà. Donc l'aiguille, la maille qui est ici, la maille qui est derrière et je tricote. Si vous voulez, si vous n'avez pas compris, vous pouvez très bien prendre la maille qui est sur l'aiguille de devant, regardez, la mettre sur l'aiguille de derrière et tricoter les deux mailles ensemble. Ça, c'est le résultat, regardez, est exactement la même, c'est la même chose, donc le résultat est le même. Si vous n'avez pas envie de piquer dans la première aiguille, donc dans l'aiguille qui est face à vous, vous piquez la maille qui est dans l'aiguille de derrière et on tricote les deux. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez très bien prendre l'aiguille, la maille qui est sur l'aiguille face à nous, la passer sur l'aiguille de derrière et tricoter deux mailles ensemble. Donc ça revient exactement au même. Donc si vous préférez, vous pouvez faire comme ça. Ou si vous préférez, vous prenez une maille devant, une maille derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble. Donc une maille là, je prends une maille derrière et je les tricote ensemble. Une maille devant. Sur l'aiguille de devant, je prends une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote les deux ensemble. Donc une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je les tricote ensemble. Une maille devant, une maille derrière et je les prends ensemble. Une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière, je prends donc et je les tricote ensemble. Une maille devant, une maille derrière et je tricote ensemble. Une maille devant, une maille dans l'aiguille de derrière, je les tricote ensemble. Une maille ici, une maille derrière, regardez, et je les tricote ensemble. Je prends une maille sur mon premier aiguille, une maille sur la deuxième aiguille et je tricote les deux ensemble. Donc vous pouvez faire comme ça. Si vous n'y arrivez pas ou ça vous paraît un peu compliqué, c'est absolument pas compliqué, hein. Vous pouvez très bien enlever votre maille de l'aiguille qui est face à vous. Vous pouvez la glisser, pardon. Attendez, je recommence parce que je crois que j'étais pas dans le champ. Et je vous montre. Vous pouvez très bien donc vous enlever de l'aiguille qui est face à vous, vous la glissez dans l'aiguille qui est derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble comme ceci. Donc je vais vous montrer encore une fois. La maille qui est dans l'aiguille de devant, je la prends, je la fais passer dans mon aiguille de derrière, oula pardon, excusez-moi, comme ceci, regardez, j'ai pris, je la fais passer dans l'aiguille de derrière et la maille que j'ai passée et la maille suivante, je les tricote ensemble. Je vous montre encore une fois. Je prends la maille qui est sur l'aiguille face à moi. Je la fais passer dans l'aiguille de derrière. Et je la tricote avec la maille suivante. Donc voilà, vous faites comme bon vous semble.
Le résultat des deux, c'est exactement la même chose. Donc, soit vous prenez la maille de devant, la maille de derrière, comme ceci, et vous tricotez les deux ensemble, ou alors vous prenez votre maille, vous la faites passer dans l'aiguille de derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble. Donc au niveau du résultat, au niveau du rendu, c'est exactement la même chose. Voilà, donc j'ai terminé. Regardez, j'ai assemblé mes mailles. Regardez, donc j'ai fait les deux pour vous montrer et regarder, aucune différence. Et maintenant, je dois avoir 27 mailles sur mon aiguille que je continue à tricoter, donc à l'endroit. Donc là, rien, on fait rien, on termine nos 27 mailles à l'endroit. Donc vous avez vu, c'est vraiment simple. Ça paraît compliqué, mais c'est vraiment simple. Il faut juste assembler les mailles. Donc les tricoter ensemble. Et le rendu est vraiment sympa. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous savez très bien que vous pouvez me laisser des messages, donc je vous répondrai. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier, c'est facile. Et si vous vraiment vous n'avez pas envie de faire cette méthode, vous pouvez tout simplement, quand vous avez fait les 13 cm de votre poche, rabattre toutes vos mailles. Et une fois que vous aurez terminé le devant, vous pouvez très bien le coudre aussi. Vous pouvez très bien le coudre à la main à ce niveau-là. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Donc sur l'arrière du travail, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et après, sur le devant, nous allons passer aux emmanchures. Donc je vais vous montrer comment nous allons le faire. Donc là, rien de particulier, je vais aller vite. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc, j'espère que pour celles, bien sûr, qui ne connaissaient pas, vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel. Comment faire une poche. Et cette poche, comme je vous l'ai dit dans la deuxième partie, je crois, vous pouvez l'adapter à tous vos pulls, à vos robes, à vos jupes aussi. Donc, c'est très, très facile. Et si vous ne désirez pas mettre de poche sur votre robe à bretelles, vous pouvez enlever la partie poche, c'est-à-dire vous tricotez sans la poche. Ou alors, vous pouvez tricoter une poche après et recoudre par-dessus. Voilà, c'est à vous de voir. C'est comme vous avez envie. Donc là, rien de particulier, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Pardon. Vous voyez, on peut tricoter les mailles que nous avons assemblées ici sans difficulté, on s'en rend même pas compte. Et le résultat, c'est vraiment un résultat qui est joli, propre. Alors dès que j'ai terminé, nous allons faire les emmanchures. Donc là, je tricote toutes mes mailles à l'envers, je suis sur l'envers.
Voilà, donc ici, nous allons commencer à former nos manches. Regardez nos emmanchures ici. Donc pour cela, hop, nous allons commencer par deux mailles à l'envers. Ça, c'est important. Deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, et nous allons faire donc une maille à l'envers et les deux mailles suivantes ensemble à l'envers. Nous avons fait, regardez, nous en avons 10. Deux envers, deux endroits, deux envers, deux envers, deux endroits, deux envers. Donc ça nous fait 10. Et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Donc nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Donc, en même temps, nous avons commencé à former l'emmanchure et à faire nos diminutions, comme nous avions fait pour les poches. C'est exactement la même chose. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang. Alors, je vais voir combien de mailles il me reste. 2, 4, 6, 10, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, je dois tricoter encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Alors, il doit me rester 10 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, je passe mon fil devant et je vais tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc c'est important de terminer par 2 mailles à l'envers. Donc de ce côté-là, au début du rang, nous avions fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers en faisant une diminution. Et de ce côté-là, à 10 mailles du bord, nous avons commencé donc à faire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles comme elles se présentent, sauf, n'oubliez pas, comme nous avions fait pour la poche, sauf à ce niveau-là, je vais vous montrer. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, sur l'envers, on commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et nous avons 2 mailles à l'endroit. Donc, j'ai tricoté une maille à l'endroit. Ma maille suivante, comme nous avions fait pour la poche, regardez. Je la pique comme ceci. Je la retire et regardez, je la positionne comme ceci et je vais tricoter deux mailles ensemble à l'endroit et je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin comme elles se présentent. Donc nous faisons exactement comme nous avions fait pour la poche. Donc là, comme vous avez fait la poche, ici c'est facile pour vous. Donc je ne vais pas m'attarder trop, je vais juste vous expliquer ce que vous allez faire. Donc je vais vous montrer encore une fois. Pas envie de vous ennuyer avec des vidéos trop longues.
Donc ici, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Pas de particularité. Après, je vais vous montrer encore une fois. De toute façon, maintenant, vous savez le faire. Donc là, je vais vite, il n'y a rien de particulier. Donc, comme ceci. Et regardez. Donc, comme je tricote mes mailles, comme elles se présentent, j'ai deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers et deux mailles à l'endroit. Donc là, je suis sur l'endroit de mon travail. Donc j'ai deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'envers, à l'endroit, encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et là, regardez, comme c'est à chaque fois au début de rang que nous faisons les diminutions, et donc j'ai une maille ici à l'envers et une maille à l'endroit qui suit, je prends les deux à l'envers et je vais tricoter jusqu'à la fin de mon rang. Donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc je vais vous montrer encore une fois pour l'autre côté et après je vais vous expliquer, parce que là ça va être trop long pour vous et pour moi aussi. Donc je vais vous laisser tricoter tranquillement et on se retrouvera, je pense, pour le derrière de notre robe. Donc je veux arriver au bout pour vous montrer encore une fois, même si maintenant vous savez très bien le faire. Voilà, sur l'envers, il ne faudra pas oublier de tourner la maille, la dernière, enfin l'avant-dernière maille qui est à l'endroit. Et ça, vous avez compris, c'est pour avoir un joli rendu. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Là j'ai des mailles à l'envers, des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, et voilà. Donc je vous montre juste cette partie. Donc nous sommes sur l'envers au début de rang. J'ai deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, et donc je tricote une maille à l'endroit, ma deuxième maille à l'endroit. Regardez, je fais ceci. Je la prends comme ceci et regardez, je la pose sur mon aiguille de gauche, si je ne me trompe pas, et je tricote les deux mailles à l'endroit. Regardez, comme ça nous obtenons quelque chose de joli ici. Alors voilà, maintenant vous allez continuer votre ligne jusqu'à la fin, donc en tricotant à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles. Vous n'oublierez pas
de faire vos diminutions là. Donc n'oubliez pas de faire les diminutions de chaque côté et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 58 mailles sur vos aiguilles. Donc vous continuez à faire vos diminutions de chaque côté comme nous avions fait pour les poches jusqu'à ce que sur votre aiguille il ne vous reste que 58 mailles. Une fois que vous avez obtenu vos 58 mailles, c'est-à-dire ici, regardez, donc à ce niveau-là, vous obtenez 58 mailles. Ces 58 mailles, vous allez les tricoter pendant 3,5 cm. Donc, vous avez terminé vos diminutions, vous avez 58 mailles sur vos aiguilles. Ces 58 mailles, vous allez les tricoter pendant 3,5 cm, voire 4 cm, comme vous voulez. Regardez ici, donc moi j'ai fait 3,5 cm, vous tricotez pendant 3,5 cm et après pendant 3,5 cm vous tricotez aux côtes de 2, c'est-à-dire comme vous continuez pour le bras, regardez, pour les emmanchures ici, vous continuez et donc vous continuez à faire en côte de 2 pendant 4 cm. Voilà. Donc, vous continuez vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 58 mailles. Une fois que vous avez 58 mailles, une fois que vous avez vos 58 mailles, vous tricotez ces 58 mailles pendant 3,5 cm. Après, vous passez aux côtes de 2. Donc ici, vous aviez déjà fait pour regarder là. Donc vous continuez. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous suivez, regardez. Comme on avait commencé par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et vous enchaînez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. Et normalement, ça doit très bien correspondre avec ce côté. Donc il n'y a pas de souci. Et une fois que vous avez fait donc vos 3,5 cm, vous rabattez. Une fois que vous avez rabattu, vous avez terminé donc le devant de la robe. En ce qui concerne le derrière de la robe, il n'y a rien de particulier. Vous allez faire exactement comme nous avions fait pour l'avant. Vous allez monter 80 mailles et vous allez tricoter les 2,5 cm en côte de 2. Regardez, les 2,5 cm en côte de 2. Après, vous allez faire, donc comme ici, nous n'avons pas de poche, vous allez continuer en jersey endroit pendant, alors je vais vous dire, une fois que vous avez fait vos 2,5 cm, vous avez fait vos 2,5 cm, vous allez continuer pendant à peu près, que je ne dise pas de bêtises, parce qu'il faut que ça corresponde avec le devant, c'est très simple. Il faut que ça corresponde avec le devant de votre robe. Donc, moi, j'ai 21 cm. Voilà. Une fois que vous avez tricoté 21 cm, un peu comme le devant, vous commencez à faire les diminutions de vos bras. Regardez exactement. Vous voyez, à 21 cm, nous avons commencé à rabattre pour les emmanchures de devant. Donc, vous allez faire exactement la même chose pour le dos. Vous allez tricoter 2,5 cm en côte 1,1 sur 80 mailles. Ces 80 mailles, vous allez les tricoter pendant 21 cm en jersey endroit. Et une fois que vous avez fait vos 21 cm, vous allez faire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, en n'oubliant pas de faire les diminutions de chaque côté. Exactement comme pour le devant. Une fois que vous avez fait vos diminutions pour l'arrière, le derrière, vous avez 58 mailles sur vos aiguilles. Ces 58 mailles, vous allez les tricoter pendant 3,5 cm, comme pour le devant, exactement comme pour le devant. Après, vous allez passer en côte 2,2, que vous allez tricoter pendant 3,5 cm, voire 4. Donc moi, j'ai fait 4 cm, pendant 4 cm. Et après, on va se retrouver pour faire les bretelles. Donc, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis donc qu'on se retrouve dans la quatrième partie pour faire
les bretelles de notre robe et je vais vous expliquer comment coudre nos boutons et tout ça, donc je l'espère, dans la quatrième partie. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Et donc, je vous dis à très vite pour la quatrième partie.